Normalement ce soir ce sera cool. Je dis bien normalement, est-ce que ça le sera vraiment? Ça se trouve on va se faire chier. Ça se trouve le jeu il va être chiant, ça se trouve on va dire que c'est de la grosse merde. Mais bon, il y a Donald et Mickey. Et Dingo, on l'oublie souvent Dingo. Personnage préféré d'El Sandfus, Dingo, n'oubliez pas. Alors enfin le Graal, mais il est là! Il est là, sur mon écran de télé! Ah j'ai hâte. On va le lancer. J'espère qu'il sera bien bas, je pense qu'il sera quand même sympa à faire. Les mecs, ils ont mis combien d'années pour faire cet enculé de jeu? Ils ont mis beaucoup d'années, hein. Alors, il y a des fans qui vont vous dire, on l'attend depuis plus de 10 ans. Moi, je leur dis, mais ferme ta gueule, on l'attend pas depuis plus de 10 ans. On l'attend depuis qu'il est annoncé, alors oui. On attend KH3 depuis qu'il est annoncé. Mais quand les fans disent, on l'attend depuis plus de 10 ans, c'est pas vrai. Parce que, à la fin de KH2, ils ont jamais dit, le prochain, c'est KH3. Tu vois, à la fin, la cinématique bonus qui était après KH2, tout le monde se disait, mais c'est Kingdom Hearts 3. Alors que non, c'était Birth by Sleep, on s'est fait niquer, les gars. Tout le monde à l'époque pensait que c'était KH3, et du coup, il y a eu ce mythe qui s'est créé autour de ça en mode, on attend KH3. Mais en vrai, KH3, il a été annoncé qu'en 2013, je crois. Pas si vieux que ça, en vrai. Quoique, enfin, le temps passe tellement vite, ça me paraît pas. Là, en 2013, ça me paraît pas lointain du tout, hein, c'est dingue. Et reviens, franchement, j'ai 21 heures de jeu dessus déjà. Oh, ça fait spécial, les jeux, ça doit faire bizarre. Parce que, enfin, moi j'ai une relation très particulière avec les Kingdom Hearts. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça. Ensuite, quand j'ai rejoué pour mes let's play à l'époque de Dailymotion, à ce moment-là, j'avoue que j'ai eu un avis très très mitigé par rapport au jeu. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, quand même, le jeu c'est très très gamin. On te prend pour un demeuré quand tu joues à Kingdom Hearts. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment voir les cages différemment. Où je me suis dit, mais. Putain, on te prend vraiment pour un gogol, et c'est là qu'après Birth by Sleep est sorti, où là le scénario il commence à faire n'importe quoi, et je me suis dit non, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à me dire, putain, les KH, je commence à croire que c'est pas fait pour moi, alors j'y joue encore, parce que le gameplay est bon, hein, c'est des très bons jeux à gameplay, parce que c'est des jeux qui ont beaucoup de contenu, parce que c'est des jeux qui se laissent jouer, c'est très sympa à faire, voilà. Mais à côté, je crois que je suis plus vraiment le public cible de Kingdom Hearts. C'est bizarre. Hein. Du coup, alors pourtant, Kingdom Hearts, quand j'étais petit, c'est vraiment une série de jeux qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Hein. On dirait pas comme ça. Mais moi, je me sentais pas bien dans Kingdom Hearts 1 quand Riku, il vole la Keyblade de Sora, hein, à la fin. Oui, alors oui, je vous dis direct, on n'en a rien à battre des spoils. Tout ce qui se passe avant Kingdom Hearts 3, je considère que c'est acquis pour vous. Pour moi, je vais pas hésiter à parler de ce qui se passe à gauche, à droite, je m'en fous. Là, on est sur KH3. Pour moi, tout ce qui se passe avant, vous êtes censé le savoir. Hein. On met les choses dans l'ordre. Fais gaffe à couper l'opening car sinon ils vont découper le son comme des putes. Et leur a dit qu'ils vont être impossibles à uploader. Mais je peux pas passer l'opening les gars. J'aurais pu faire un cache. Ah bah désolé Silver. Tu as pas le droit. Quoi? Bah les gars on joue à KH3. Il faut bien parler des anciens aussi. Franchement, je peux pas me limiter en mode. Ah non, on parle pas des anciens. Non, j'ai besoin de parler des anciens quand même. J'espère que vous savez que l'histoire du jeu mobile est canon et intégrée à KH3 en fait. Ouais, le jeu mobile, le gacha game, tu parles pas. Parce que quand tu me dis jeu mobile, moi je pense à Recoded, tu vois, qui était un jeu mobile à la base avant d'être un jeu DS. C'est qui Xan? Ah les gars, vous commencez à troller en mode c'est qui lui, c'est qui si. Oh, vous êtes vraiment pas sympa. On va couper la musique. Alors si jamais le son du jeu n'est pas assez fort, faut me le dire. Donc l'intro, il faut la sauter. Moi je suis désolé les gens, mais je pense qu'on va sauter l'intro du coup. Parce que ça a niqué mon son à l'audio. Et comme il coupe de manière un peu indéterminée Twitch, je suis désolé. Hein. L'intro va être sauté. Le gacha, ouais je sais qu'il... Mais dire, faut savoir que Kingdom Hearts, j'ai fait absolument tout ce qui est lié à Kingdom Hearts, sauf... C'est quoi un simili? Je te l'ai expliqué, Alex. Sauf, où est-ce que je l'ai mis, cet enculé de jeu? Je sais plus où il est. Mais le jeu, là, qui est dans le Kingdom Hearts 2.0, là, machin, là. Dans le jeu avec Aqua, sur PS4. Il y a, dedans, t'as le film qui raconte l'histoire du jeu mobile. C'est la seule chose que je n'ai pas fait de tout Kingdom Hearts. Je pense qu'il y a quand même des éléments importants dedans. Tant pis, je crois qu'il y a un coffre apparemment, et waouh, apparemment ce coffre il est la clé de tous les mystères de Kingdom Hearts. Oh là, incroyable. Écoutez, Kingdom Hearts, y a beau avoir une énorme branlette de la part des fans sur le scénario, les gars, faut se détendre un coup, hein. Le scénario il est tellement mal branlé que j'en ai rien à foutre. Moi je joue avant tout pour m'amuser, on va lancer le jeu parce que vous réclamez ça, et puis on va voir ce que ça vaut. Ça raconte l'histoire des disciples du maître des... Oh. Je connais rien au scénario de Kingdom Hearts, j'espère que ça sera sympa à regarder quand même. Je te fais confiance. Bah,
On verra, Mitsuna. On essaiera de pas prendre le jeu trop au sérieux, parce que je sais que généralement, quand tu vas sur des streams ou des lives de gens qui parlent de Kinemers, alors les mecs, on les... ils se sentent plus pissés, hein. Ils commencent à dire, alors là, oui... Alors là, en fait, on voit Roxas, qui est en fait le simili de Sora, et en fait, dans la hiérarchie de Kinemers, il crée à ce moment-là, et ça va être ça... On n'en a rien à battre, mec. Les gens qui regardent du Kingdom Hearts sont souvent déjà au courant de ce qu'est Kingdom Hearts. Et ceux qui regardent une vidéo sans être au courant de ce que c'est, bah, en fait, ils regardent juste pour se détendre. Donc t'es pas obligé de leur expliquer un scénario qu'ils ne comprendront pas et que t'expliqueras de manière abrégée, donc possiblement très mal. Parce que c'est tellement compliqué pour rien que... Oh là là. C'est-à-dire qu'il sort demain théoriquement. Ouais, théoriquement. C'est vrai que moi, les mondes sont ultra bombes, mais le début est un peu long. Ah bah on verra. Demain j'ai cours à 10h. Ce jeu est... Oh putain, l'écran est minuscule. Il est minuscule l'écran. Attendez, mais il y a mon... il y a ma cam. Voilà, merci. Faut pas que je me couche trop tard. Ah bah désolé pour ceux qui se couchent tard à cause de moi. Oh là là, le format du jeu n'a pas l'air adapté à ma télé. Je sens que je vais me faire douilla. Bouilla. Sort extra coup, c'est cadon ou pas au final? On se pose encore la question. C'est que des amis. Mais bon. Je me fais chier pour vous là, tout bien mettre. C'est pas mal. C'est cette intro là qu'il faut passer. Attendez, je gère l'intro. Putain. Ah, ils foutent la merde là avec leur format. Regardez, leur format il est pas assez grand ni assez petit. Ah la merde. Le jeu il me fait un doigt dès le début. On va mettre comme ça. J'ai l'impression d'être au ciné. Elle dure 3 minutes. Ah merde. Ça commence. Waouh. Donc là du coup ça, je suppose que ça remémore vite fait tout ce qui se passe dans les anciens jeux. Ah, on pourra changer le format, putain. Ah bah merci Pocket et on verra après pour les bordures noires alors. J'ai envie de passer l'intro. Ah, vous allez voir qu'ils vont être en mode « Ah, depuis le début tout est calculé, en fait c'est un jeu d'échecs, les gentils contre les méchants, c'est... » Oh la petite branlette, hein, comme d'habitude, on est habitué. Non, non, non. Oh là, on passe pas l'intro, ok, on passe... J'ai rien dit, j'ai dit ça pour rigoler. On passe pas, on passe pas. Alors les gens, je dois vous avouer un truc. Vous savez que quand j'ai refait, parce que je les ai fait, les remakes HD de Kingdom Hearts 1 et 2, franchement j'ai pas tenu le coup, hein. C'était insupportable je pouvais pas en fait revoir les cinématiques du jeu, j'ai trouvé d'un chiant. Du coup je passais toutes les cinématiques, je n'arrivais pas à les revoir en fait. Je les ai déjà vues étant gosse, donc je me disais bon c'est chiant. Et je sais pas, je les trouve pas intéressantes au point d'être revues une deuxième fois, quoi. Surtout que moi j'étais habitué à la VF. Et les voir en anglais, c'était trop bizarre. Et c'est pour ça que moi, vous voyez, les gens, ils gueulent. Y'a pas de VF, y'a pas de VF. Ok, d'accord, y'a pas de VF. D'ailleurs, y'a une des raisons qui est très peu mise en avant sur pourquoi y'a pas de VF, qui est la plus sensée, et ça, faudra qu'on en parle après, mais... qu'il y ait pas de VF, c'est une chose. Mais les gars, les voix japonaises, elles existent. Pourquoi elles sont pas dans le jeu? Pourquoi on peut pas mettre les voix jap, nous? C'est quoi ces conneries, les gars? Dans FF15, on peut mettre les voix qu'on veut, on peut mettre le jeu en allemand. Pourquoi là on peut pas mettre les voix jap alors qu'elles existent? D'ailleurs, l'opening va commencer par la fameuse partie d'échecs, tu pourras mater le début tranquille, mais dès que tu verras le début du véritable opening avec Sora seul, là faudra skip. Ok, bah on fera ça, désolé de skipper cette petite partie. Quand je l'aurai uploadé sur ma chaîne YouTube, au montage je ferai en sorte de rajouter ça via d'autres vidéos. Bref. Alors du coup, ça faut en parler, mais une des raisons principales qui fait qu'il n'y a pas de VF, et pas que pas de VF, parce que les gens disent pas de VF, pas de VF, mais c'est pas de doublage européen en général, hein. C'est pas qu'un problème de pas de VF, mais en fait, une des raisons, le son du jeu n'est pas trop faible, hein, rassurez-moi, faut me le dire sinon, trop faible ou trop fort, hein, dans les deux cas, c'est faut le dire. Une des raisons qui fait qu'il n'y a pas de doublage hors anglais et japonais pour ce Kingdom Hearts 3, c'est que Nomura... Un des trucs qu'il voulait absolument pour Kingdom Hearts 3, c'était faire une synchro labiale aux petits oignons. Le mec, il s'est tapé un trip, il veut que la synchro labiale de Kingdom Hearts 3 soit parfaite. Et franchement,
si vous avez fait le jeu, le prologue là, avec Aqua sur PS4 et que vous avez fait gaffe, le truc c'est que nous on n'y fait pas trop gaffe vu qu'on lit le... Vu qu'on lit en fait les sous-titres, on n'y fait pas très attention, mais c'est vrai que la synchro labiale est quand même à applaudir. Parce que certes, on le remarque pas trop parce qu'on lit les sous-titres, mais si on fait attention, c'est vrai que la synchro labiale est vraiment bonne. Donc le mec a vraiment... C'est une des réelles raisons. Il a pris du temps à faire KH3, à cause de ça, le jeu a été retardé. C'est une des raisons et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de doublage dans d'autres langues, parce qu'il s'est fait chier à faire la synchro labiale sur les versions anglaises et japonaises. Et ça aurait pris encore plus de temps de faire ça sur toutes les langues. Mais... C'est pas que la seule raison, Nuneco, c'est un des trucs qui s'ajoute. Mais vous ferez attention, si normalement c'est comme le scénario Aqua, c'est vrai que la synchro labiale est particulièrement bonne. Et là, c'est, voilà, elle est bonne. Mais bon, on n'a pas de VF. Quitte à pas avoir de VF, j'aurais bien voulu avoir la VO, moi, mais bon, ça c'est... Alors, les archives ont été dévoilées. Alors, on va voir le format direct, hein, parce que là, c'est quand même dégueulasse. T'aimes pas la voix de Donald Renew. Donald Renew, c'est très compliqué. Quand j'étais gosse, j'adorais ses doublages. Maintenant, je peux plus le supporter parce qu'on l'entend trop. Je trouve qu'on l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, attendez. Déplacement de la caméra auto. Ah ouais, dans KH, le problème, c'est que la caméra, t'as besoin... On verra ça, on verra quand... Et... Allez, on lance le jeu, j'en ai marre d'attendre. Salut Totor, salut tout le monde, hein. Allez, on arrête de dire bonjour. Ça fait bizarre de voir un menu qui ne marche à l'ancienne. À propos du stream... Oh, il a grillé qu'on était en stream. Oh non, non, on a flemme de lire par contre. Putain, Mars 3, il se passe quoi dans les deux premiers? Les gars, arrêtez de faire la blague! Putain, mon écran, mon visage, il est pâle sur le retour, non? Bon, tant pis. Allez, nouvelle partie. Donc, il voulait que j'en avais un. Bonjour en mode expert, moi je. Le problème, c'est qu'après mode expert, j'ai peur qu'on passe beaucoup trop de temps à XP. Parce que c'est pas non plus le but. Tant pis. Attendez, par contre, je vais décaler un peu ma télé. Putain, c'est impatient! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est lisible sur le stream, non? Je crois que si, ça doit aller. Normalement, ça devrait aller. Ça, on avait dit oui. Acheter une scène de l'écran. Le son est fort, hein? Allez, Ok, donc faut passer après la partie d'échecs, c'est ça? Allez, on y va, on va voir ce qui se passe. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est à ma force, un pour tous, tous pour un. Ok. C'est quoi ça? On dirait une appli mobile. What? Ah, attendez, bah, faut le dire ça. Je vais baisser le son du jeu alors. Parce que ma voix est déjà pas mal forte, donc... Ah, faut le dire plus tôt, les gars. Ça, c'est... J'ai demandé au début, vous avez... Ça, c'est le post Twitter des persos. Ils ont un Twitter? Ah, d'accord, c'est le KH Instagram. Ok, d'accord. Ils se tapent des tripes. Oh, c'est beau en tout cas. Ça, on peut pas leur retirer que le jeu est vraiment beau. Donc pour ceux qui se souviennent bien normalement, donc le jeu qui se passe chronologiquement juste avant Kingdom Hearts 3, c'est Kingdom Hearts 3D. Et le jeu se termine sur Sora qui échoue son test de la Keyblade et Riku qui le réussit. Et là, voilà, on va voir ce qui se passe. Ça fait vraiment bizarre hein, de jouer à Kingdom Hearts 3. C'est chaud, vous vous rendez pas compte hein. Mais c'est, en fait, c'est, le côté choquant, c'est que Kingdom Hearts, ça me fait. Ça, j'ai commencé cette série quand j'avais 10 ans. Donc, se dire que le dernier opus de cette trilogie, entre guillemets, parce qu'il y a plus de jeux que ça, il arrive que maintenant, c'est. Waouh! Enfin, en fait, ce qui est dingue, c'est pour vous dire. Je me rappelle encore du jour où j'ai commencé pour la première fois Kingdom Hearts 2, quoi. Et de me dire que là, je suis sur le 3, c'est, je me dis putain, il y a un paquet d'années qui s'est écoulé entre temps, quoi. Ça fait bizarre. Alors, je vous dis par contre qu'il y a des cinématiques, je me concentre dessus, hein, je vais pas. Pas vous lire. Yeah, the master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Salut à ceux qui arrivent. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. Par contre, les mecs, quitte à faire des sous-titres, c'est bien de pas les mettre sur un fond blanc quand ils sont blancs, quoi.
Parce que les contours noirs, ils font pas grand chose là. They're the ones who started the Keyblade War. Et regardez cette synchro labiale, attention, la synchro labiale, les gens, je vous ai dit. Regardez-moi cette synchro labiale! Cette putain de synchro labiale, putain! Non, vraiment, il s'est fait chier sur sa synchro labiale. Regardez! Quand il parle, les lèvres bougent en accord, mais à la perfection! La VF, elle est là! Enfin, non, elle est plutôt pas là! Et c'est pour ça! On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Oh, pour le moment, je comprends pas ce qu'il raconte, hein. Pour le moment, c'est de la bonne grosse branlette à la cage, comme on aime bien. Ouais, mais il a été aussi fait sur les voix anglaises, Else. Il a été fait sur les deux doublages. C'est pour ça que... On n'a pas d'autre. Enfin, c'est une des raisons qui fait qu'il n'y a pas un... Voilà. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised. Non, vraiment, regardez la synchro la vie, elle est incroyable. Oh, I hope so. Non, franchement, je trouve qu'elle est vraiment bien faite pour le coup. On en parle de l'échec avec Custom, c'est vrai qu'il est pas mal l'échec. Il est beau le jeu, ouais non, il est vraiment beau. Ah, je crois que c'est là qu'il faut sauter, attendez, je crois que c'est la scène qu'il faut passer ça. Il y a sûrement Itada Hikaru qui va se mettre à chanter. Donc là, on est d'accord que c'est l'intro en gros qui remémore les trois anciens jeux. Donc ça, je suis désolé les gens, mais je vais être obligé de la sauter. Voilà, je suis désolé, mais ça, je vais être obligé de la sauter. Parce que sinon, ça va me niquer ma rediff. Et bah... Vraiment, j'en suis désolé. Mais de toute façon, dites-vous ça, c'est l'intro qu'on a comme dans tous les caches, qui normalement utilise réellement le moteur des cinématiques et qui est ultra beau. Enfin, pas... Ça, dans Kingdom Hearts 2, déjà, c'était impressionnant à l'époque. Donc là, KH3, je suppose que c'est très beau aussi. Voilà. Je vous laisserai aller le voir sur Internet ultérieurement. Donc je pense que, ouais, vraiment, c'est l'intro qui remémore tous les anciens jeux avec une musique typée techno, Itada Hikaru. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Skrillex, le groupe de techno, je crois, qui a travaillé avec Itada Hikaru sur la musique d'intro. Je me suis dit, non mais les gars, poussez le vice de la techno encore plus loin. Enfin, voilà, donc du coup, on passe. Et, bah, désolé. Je suis vraiment désolé, ça me fait aussi chier, mais c'est pour le bien de ma rediff. Ok. Ah, l'enculé, dès qu'il voit les logos, il est en mode bla bla, il me met des claques, ta 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 ta. Bon bah en tout cas, merci de m'avoir prévenu Ever, et tant pis, désolé. Désolé les gens. Mais dites-vous que c'est qu'une intro qui ne raconte pas l'histoire du jeu, ça remémore les anciens jeux avec, voilà. Scrap, c'est du groupe techno, mais c'est de la dubstep, pardon, pas de la techno. C'est de la dubstep. Mais c'est un peu pareil, en soi, de la dubstep, de la techno, c'est... Hein. C'est dans le délire. Pas trop la musique de l'intro de KH3. Bah du coup je l'avais entendu sur internet, mais voilà. Et oh, le jeu il est beau. Le jeu il est très beau. Il y a 7 cœurs à sauver. Oh, encore les 7 princesses de cœur. Putain, il a une tête d'enfant ce rat là. Ah, donc faut voir sinon c'est pas où on met les pieds. Bah après Sprite, le problème c'est que cette intro ne suffit pas à comprendre l'entièreté du scénario. Ça te remémore les événements, mais si tu les connais pas, franchement tu piches que dalle à ce qui se passe. Par contre, les sous-titres font mal aux yeux ou c'est moi quand c'est écrit comme ça dans les... Peut-être la brostep, ce détail. Wow, oh là! Ah, il y a il a un peu du mal à démarrer au début, Sora. Franchement, le jeu est beau, hein. Parce qu'une commande est sachée, j'ai un fiche. Ok, on peut interagir. Oh, le jeu, il est... Non, franchement, il est beau. Il grandit au fur et à mesure de la série Wells. Quand on commence Kingdom Hearts 1, il est vraiment tout petit. Et vraiment, en fait, quand tu commences Kingdom Hearts 2, il a encore ses fringues de Kingdom Hearts 1. Et vu qu'entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, il a dormi pendant très longtemps, quand il se réveille, en fait, il est trop grand pour ses fringues. Et du coup, c'est pour ça que la première chose qu'on fait dans le jeu, c'est lui filer des nouveaux fringues. Alors, tu vois, on va passer justement des fringues de KH1 à KH2. Mais d'ailleurs, sa tenue de KH1, c'est vraiment une tenue de clown. Hein. Je suis désolé, mais elle est ridicule. Il a 13-14 ans pendant KH. Après, tu vois, je connais pas les âges exacts, mais. Non! Pas ce combat! Non! Non! Pas ce combat! L'un des pires combats de Kingdom Hearts 1. Alors qu'en fait, quand tu le refais quand t'es adulte, tu te dis,
En fait, c'est easy. Le pire combat de toute la série. Sora à 16 ans, c'est confirmé. D'accord. Bah, je te crois, Ever. Que désires-tu? Ah. Tu plan cul. Qu'est-ce que je désire? Alors, on a le choix entre quoi, quoi et quoi? Oh non, mais ça c'est la cinéma. Ça, c'est les enfers. Tout le monde se souvient de ce combat, il était atroce. Choisir la vigueur. Choisir la sagesse. Ou choisir l'équilibre. Ah, moi je suis désolé, mais je suis obligé de partir. Quand tu me mets cette image, je suis obligé de choisir la vigueur. Souvenez-vous de l'époque sur Kinemas 1 sur PlayStation 2 où tu ne pouvais pas passer les cinématiques et où avant ce combat t'avais une cinématique qui durait genre 15 minutes et du coup tu te tapais cette putain de cinématique avant chaque fois que tu devais faire le combat et tu connaissais les dialogues par cœur. Mon nom est Ansem, chercheur des ténèbres. Mais putain, on la connaissait par cœur cette putain de cinématique. Non, mais je suis désolé, mais c'est obligatoire. C'est comme les choix. Oui, ça je m'en doute, Ever, c'est voilà, logique. Il y a pareil dans le 2 d'ailleurs. Est-ce que... Bah oui, non, mais là, direct. Là, je suis désolé, mais on met cette image. Non, c'est... Tu vois, ce combat, je m'en souviens pas. Je me souviens plus de Méduse avec les commentaires trop chiants sous l'eau. Sérieux? Putain, mais comment... Pourtant, il a marqué les joueurs, généralement. C'est vrai que le combat contre Méduse, c'était aussi chiant en expert quand t'es gosse. Mais sur GBA, tu pouvais passer les cinématiques. Fallait rester appuyé sur Start. Après, les gens le savaient pas forcément. C'est sûr, quand tu le savais pas, t'avais l'air con... Mais bon. Ce combat était horrible et j'ai failli exploser ma PS2 à cause de ça. Pas tous les jeux? Comment ça? Tu vas me faire croire que Shine of Memory, tous les jeux ne pouvaient pas passer les cinématiques? C'est pas possible, mec. Qu'est-ce que tu racontes, Sprite? C'est vrai, ça? Non, je veux des preuves. Je veux que d'autres gens confirment. Moi, j'y crois pas. C'est pas possible. Alors, quel pouvoir recherches-tu? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Je suppose qu'à gauche, c'est l'amitié. Au milieu, peut-être la rivalité, et à droite, les câlins. Alors, on a le gardien, le guerrier, ou le mystique. Ou en gros, c'est magie, attaque ou défense. Alors, moi, dans les KH, j'ai vraiment souvenir de Kingdom Hearts 1 ou 2, dans lequel, en fonction de ce que tu prenais, tu pouvais obtenir plutôt dernière chance, qui te permet de te soigner vraiment... Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avoir tôt dans le jeu. Je pense que ça aide à l'avoir plus tôt, le choix des gardiens. Puis en plus, il fait le petit doigt de... Voilà, avec Namine. On va prendre ça. Les câlins. Mais je t'avoue que les câlins, j'ai bien envie, mais c'est la magie. Personne joue la magie dans KH. Non, mais moi, j'ai envie de partir sur le guerrier, écoutez. Vous me dites tous guerrier. Pardon, pas guerrier, gardien. Vous me dites tous guerrier. Bah, moi, je dis gardien, je vous emmerde. C'est la base. Ah, moi, je prends gardien. Ah, bah oui. Oh là là, on joue à Kingdom Hearts 3, j'en reviens pas. En fait, j'attends qu'une chose. En fait, on va pas se mentir. KH3, j'attends qu'une chose de tout ça, c'est savoir comment ça va se terminer. Parce que, en fait, j'ai juste une question. Est-ce que ce sera une happy end ou une mauvaise fin? Une bad end? Après, je pense que ça sera pas concrètement mauvais. Il y aura forcément des bons côtés, mais. Mais quand tu vois ce qui arrive à tous les personnages depuis le début du scénario. Moi, je pense que s'ils font une putain de happy end où tout le monde est joyeux et où tout se passe bien, déjà que le scénario il est mal branlé, bah c'est complètement zéro quoi. Il y a des personnages, je suis désolé, mais Terra, le mec qui s'est fait voler son corps par Xehanort, je suis désolé, mais non, il ne peut pas le récupérer. S'il le récupère grâce au pouvoir de l'amitié, franchement, c'est de la merde. Moi, si à la fin du jeu Terra récupère son corps, c'est nul à chier. S'il récupère, oh, franchement, ça me ferait chier parce que je me dis. C'est pas concrètement que je veux une mauvaise fin pour une mauvaise fin, mais quand tu vois en fait ce qui lui arrive, lui c'est le personnage, je vois pas comment ils peuvent régler son problème. Non, ça serait vraiment être une fin joyeuse pour une fin joyeuse. Le pouvoir de l'amitié est supérieur à tout d'ailleurs, surtout dans Kingdom Hearts. Franchement, si c'est une full happy end, ça va me décevoir de ouf. Riku a réussi à récupérer son corps, lui, c'est pas faux. Ah. Tu vas voir Floudada. Mais non, mais commencez pas à faire des. À dire des trucs comme ça, vous allez me spoil. Même si en vrai le spoil, je m'en tape un peu, je vous avoue, mais. Parce que de toute façon, les trailers spoilent déjà tout. Cacherait la fin de l'arc, les chercheurs ténèbres doivent ouvrir un nouvel arc. Ouais, mais tu vois, moi j'aimerais bien que ça parte sur un nouvel arc qui a aucun rapport avec les héros du 1.
Enfin, les héros de tout l'arc Chercheur des Ténèbres, comme dit. J'aimerais que ça parte sur des nouveaux persos, des nouvelles histoires, certes avec la Keyblade encore, parce que je pense que c'est ça l'intérêt principal de Kingdom Hearts, c'est ce qu'elle y a, la Keyblade à la Porte des Ténèbres. Mais j'aimerais bien que ça parte vraiment sur quelque chose de nouveau après. Putain, le jeu il est vraiment beau, hein. Attendez, vous inquiétez pas, dès qu'il y aura une cinématique, on se remettra à dire que la synchro labiale est bien faite. Oh non, c'est beau. Regardez-moi ce fond en JPEG là-bas. On dirait des vrais nuages pris en photo dans le ciel. Souvenez-vous dans KH1 quand tu te battais avec un bouclier si t'avais choisi gardien. C'était atroce, hein. Et pourtant, il faisait comme si rien n'était. Appuyez sur croix, ok pour attaquer. Pareil, esquive avec carré. Bon, ça c'est comme d'hab. Verrouille les ennemis avec R1. Oui, bon, je sais déjà jouer à King Hearts, merde, écoutez. Oh là, y'a un petit effet bizarre quand ça tourne. C'est pas un peu sombre quand le perso... Je sais pas, c'est chelou. Oh, c'est beau quand même, hein. C'est ultra beau. Ça a vraiment un petit côté cel shading, mais sans être du cel shading pour autant. Je serais pas décrire ça, mais c'est très doux. C'est très très doux visuellement. On parle tellement sérieusement, mais j'arrive pas à te prendre au sérieux, putain. Mais quoi? À un moment, faut... Mec, moi je suis la série depuis... Moi Kingdom Hearts 1, je la suis depuis le tout début, quoi. J'ai commencé, j'avais 10 ans, moi au début, le début de Kingdom Hearts 1 il me faisait peur, hein. J'osais pas commencer le jeu parce que j'avais peur. A chaque fois je refaisais tout le temps le début du jeu parce que la suite me faisait peur quand Sora il se faisait aspirer dans les ténèbres et tout, je me disais ah, j'ai pas envie que ça arrive. J'étais vraiment une poussie, putain. C'est vrai que le jeu a l'air particulièrement facile. Bon après c'est le début, en même temps c'est le tuto. C'est l'absence de lumière sur la 3D qui donne l'effet lisse. Attention, l'expert parle. Mais ça rend super beau, franchement. T'es un grand fragile, en fait. Mais j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Mais je me rappelle vraiment le début de Kingdom Hearts 1. Moi, il me faisait peur quand j'étais petit. Et du coup, à chaque fois, je n'osais pas sauvegarder. Parce que ça me faisait peur. Et puis un jour, j'ai fait le jeu. J'ai joué tout... Putain, on peut être stun. Enfin, étourdi. J'ai fait le jeu, je sais pas, j'y avais joué tout l'après-midi. Et j'étais arrivé tellement loin que je m'étais dit, non, quand même, là, je vais sauvegarder, faut pas déconner. Je sais pas si toi tu l'avais remarqué d'Azur, mais dans les jeux KH récents, les gameplay étaient flottants. Celui-ci, ils ont essayé de reprendre le côté dynamique du 1 et du 2. Flottant, c'est un peu vague dit comme ça. Tu veux dire quand tu fais des attaques sautées? As-tu besoin d'être guidé? Par rapport à quoi? Non? Vous êtes coincé, vous pouvez accéder au diacticiel? D'accord, ok. Non, c'est le diacticiel, bah non, on va te faire enculer. Mais moi ce que je sais c'est que j'aimais pas le gameplay de Birth by Sleep parce que le jeu c'était que esquive, 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 esquive et peut-être qu'un jour t'as l'occasion d'attaquer donc t'attaques mais quand tu jouais en critique c'était que ça et c'était inintéressant, impossible. Ah là on revoit la cinématique de fin de Kingdom Hearts 3D il me semble. Non, c'est la cinématique de fin du prologue avec Aqua. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power. Et là on parle de la fin de 3D où il échoue son test comme une grosse merde. Ah, je vois ce que tu veux dire, Ever, ouais, il y a un petit temps de latence entre chaque coup. Mais c'est ça qui rendait le gameplay horrible si j'aimais pas ça. Et moi de toute façon mon Kingdom Hearts préféré, je sais qu'il y a beaucoup de gens c'est le 2 mais moi c'est le 1. Parce que dans le 1 j'ai réellement le sentiment de jouer en fait. Alors que dans le 2 je trouve que le jeu est tellement nerveux, bah au final tu fais qu'appuyer sur croix, tu fais rien d'autre qu'appuyer tout le temps sur croix. Et j'ai... Alors certes tu peux quand même mourir et voilà t'as pas des moments faut faire des esquives et tout. Mais je trouve quand même que c'est vachement bourrin qu'à H2. Les gens se plaignent que FF15 c'est bourrin et no brain, mais franchement, je trouve que KH2, si tu joues pas en mode de difficulté max, t'as pas besoin de réfléchir quoi. Hein. Regardez-moi cette synchro labiale. Ouais, en fait, à la fin de Kingdom Hearts 3D, Nuneco. Le truc c'est que Sora et Riku ils passent leur test pour devenir maître de la Keyblade. Et en fait, Sora à la fin du jeu il se fait battre par Xehanort et il tombe dans le coma. Et ce qui se passe, c'est que c'est Riku qui le sauve. Donc tous les éléments les plus importants de Kingdom Hearts 3D, en fait, Sora ne se rappelle pas parce qu'il est mis KO à ce moment-là. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux faire Kingdom Hearts en connaissant juste l'entièreté de ce qui est en connaissance, enfin de ce que c'est Sora à la fin de toute l'histoire, bah tu peux faire KH1, KH2 et KH3. Parce que ce qui se passe dans Chain of Memory, il l'oublie dans KH2.
Et ce qui se passe dans Kingdom Hearts 3D, les seuls éléments importants du jeu, bah il est KO quand ça se passe. Donc, tu peux faire le jeu en connaissant juste ce que c'est Sora. Et tu passes à côté d'un gros morceau du scénario, mais est-ce que c'est réellement intéressant? Twitch a bug. Ah, en tout cas, le début du jeu est super abrupt, je trouve. Parce que du coup, t'as vraiment l'impression de commencer entre deux jeux et... C'est... Je sais pas. Alors Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, tu sentais que tu commençais une histoire, quoi. Là, tu reprends une histoire en plein milieu, on dirait. C'est très bizarre. Quel sera de ce jeu est vraiment cool, contrairement à Dream Drop Distance où il était chiant. Il était très gamin dans Dream Drop Distance, j'ai souvenir. Regardez la synchro labiale. Regardez-moi cette synchro labiale. Vous voyez ? Quand il parle, la bouche parle. Je vais saouler avec ça pendant tout le long. Mika, commencez par le 3. Moi, je te dirais, fais au moins le 1 et le 2. C'est le minimum syndical, franchement. Parce qu'il y a plein de... Alors, tous les fans hardcore te diront, mais non, mais tu comprendras pas ci, tu comprendras pas ça, mais non. Parce que tu... En fait, tu feras quand même le scénario juste selon Sora. À la fin du jeu, tu seras au courant de ce dont est au courant Sora. T'en seras autant que lui, en fait. Et comme les opus principaux ne font que suivre en vrai le scénario de Sora, bah voilà. Je troll, j'ai fait le 1 et le 2 quand même, bah voilà, bah tu peux, si tu veux faire le 3. Après, le début du jeu est un peu chelou, là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec Yen Seed? Alright! Le mec il fait tout le temps des vieux sourires, ça c'est très énervant aussi. Il fait des fat sourires bien dégueulasses. D'ailleurs, quand j'avais joué à. Voilà, ça du coup c'était la cinématique. Voilà, ça c'est la cinématique qu'on a à la fin de Kingdom Hearts 2.9, là, le... enfin le prologue. Toi et Kid, vous êtes beaucoup trop à fond, mais en même temps, Mika essaie de comprendre. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi et Kid, on joue au cash depuis que la série existe, en fait. On a grandi avec. Tu vois, toi, t'es un putain de Potterhead qui a grandi avec les films Harry Potter et avec les livres. Bah, moi, c'est Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, c'est une série qui a grandi avec moi, plus ou moins, donc je suis quand même obligé de rester. De m'y attacher un minimum. Même si j'essaie quand même d'être un peu plus ouvert que les fans hardcore qui sont vraiment. Je déteste la communauté des fans de Kingdom Hearts qui est vraiment ultra hardcore. Hades' previous attempts using Terra, Cloud. Bon, vu que là, il y a vraiment que du nouveau dans le scénario, on va se concentrer sur l'histoire. Ouais, mon premier trophée. Darkness slants down from their celestial rank, and one by one, Hades freed the Titans from their prison. Tellement des combats horribles, le titan de glace dans le cache. Alors que le titan de roche là c'était une merde. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. On va se taper une petite intro comme ça à chaque fois, parce que là on dirait un début de mission de Sly Raccoon. Salut les mondes, c'est Sora. Les deux autres demi-portions et moi, on est parti pour une nouvelle aventure. Hashtag ça commence, hashtag Donald, hashtag Dingo, hashtag une portion ennemie. Oh là là, c'est tellement kikou ça! Putain, on dirait mes posts Instagram quoi! Trop kikou! Sauf que moi je mets pas d'hashtag sur Instagram. Huh? Ah bah, elle nous cache. No fanfare? Le gameplay de Cage 1, il était long, mais ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait vraiment l'impression de contrôler le personnage, quoi. C'était pas du vieux spam débile de croix. Après, c'est vrai qu'il est très nerveux et jouissif, je suis du 2, mais bon. Je trouve que c'est plus visuel qu'autre chose. Bon, sauf quand tu joues en critique, j'admets qu'en critique, par contre, là, si tu réagis pas, t'es de la merde. Vous voyez, elle s'en fout, nous apprend encore des choses sur le lip-sync. Exactly. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis qu'il a une gestuelle très japonais. Hey, we're leaving. Et c'est pour ça que vraiment, encore une fois, mais pourquoi vous avez pas foutu le doublage jap dans les possibilités, quoi?
Ouais, si je reviens en arrière, si j'ai envie de gravisser la montagne, même si je veux revenir en arrière. Ouais, oh. Le trio de retour, ça... Oh putain, mais qu'est-ce que le jeu est rapide. Je suis choqué comment on marche vite. Enfin, là, on court, quoi. Oh là là. Ah, ça fait trop bizarre de revoir les bons vieux sonkers de l'époque, mais on dirait de la pâte à modeler. Vous allez apprendre différents sorts de magie au cours de votre aventure. Pour l'instant, sort, utilisez les flèches, puis sélectionnez magie dans le menu. Ok. Ah oui, d'accord. C'est de la magie glissée, quoi, comme quand tu utilisais la magie avec les fusions dans KH2. Enfin, la fusion de Donald, plutôt. Oh, ça fait bizarre. Le jeu a vraiment une inertie chelou. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais l'inertie est vraiment bizarre. Parce que tu sens que le perso est extrêmement glissant, en fait. Et du coup, quand t'es habitué aux anciens KH, c'était pas aussi glissant, hein, on se le dise. Ah, c'est bizarre. Le jeu est fluide, en tout cas, oui, il est putain de fluide. Il est peut-être trop fluide même, c'est trop bizarre mec, vraiment, c'est trop chelou. Putain, on a une magie d'eau maintenant. Putain, on avait déjà eu... Non, avant c'était glace. C'est une blague. J'espère que personne va acheter. 20€, ça va bouler pour un doublage. Attends, mais... Ouais, mais Darcy, déconne, c'était une blague les gars, calmez-vous. J'avoue que ça aurait été choquant par contre. Oh là, le menu, il est moche. Mais il est horriblement moche le menu. Ah, il est horrible, hein. Bon, attendez, personnalisation. Moi, j'aimerais mettre des raccourcis magie, genre sur R1 et compagnie. Voilà. On a que deux magies, d'accord. Et donc, les raccourcis, c'est toujours sur L1. Ok, nickel. Oh là là. En fait, il y a tellement de détails à l'écran que t'as envie de regarder partout, voir si tu rates pas des trucs. Eh, je suis sûr que je vais rater des coffres, c'est obligé. Hein. Non, 20 balles, c'était beaucoup trop cher, Mika. Là, ça aurait été abusé. Oh, d'abord, avec la dissociation. On peut courir sur les murs, maintenant. On va y dans le trailer, mais... Ah, ouais, mais carrément, quoi. Plus rien ne peut nous arrêter. Je crois qu'on peut pas faire ça sur tous les murs. Ah, oh, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs à explorer, c'est ouf. Regarde partout, ça a m'aidé à récupérer quelques trucs dans ma partie. Oh là là, on m'utilise quoi. Donc là, il y a un chemin là-bas, vous voyez. Oh là là, les petits effets de glissade quand tu tombes. Attendez, moi je vais voir ce qu'il y a là. Oh non, en fait, c'est incroyable, mais visuellement, le jeu, il y a plein de petits détails qui rendent le tout ultra jouissif quand t'as la manette en main. Genre ça là. Le mec, quand il tombe, il se met à planer dans les airs. Non, Darst, même à 10 balles, j'achèterai pas. Mais 20 balles, un doublage japonais, jamais un développeur ou un éditeur ferait ça, de mettre un doublage jap à ce prix-là. C'est beaucoup trop cher, 20 balles, mec. T'abuses. Sera en mode Naruto, oui, on peut dire ça. Pour le moment, ce qui me gêne beaucoup dans le jeu, c'est vraiment que j'ai l'impression de prendre l'histoire en cours de route. Ça, t'as l'impression d'être lancé beaucoup trop dans le truc, quoi. J'aime pas ce sentiment. Alors que dans Kingdom Hearts 2, quand même, t'as tout le début du jeu qui te place l'univers avec Roxas, là, c'est cool. Un peu malade, hein. J'étais fatigué aujourd'hui, j'en pouvais plus. Pas de 4 heures d'autre monde, honnêtement, on s'est tellement tapé le monde d'Hercule dans tous les jeux. Ouais, c'est vrai. Le monde d'Hercule. Mais c'est ça que je trouve dommage. C'est que dans les trailers, ils te... Mais dire, c'est même pas que les... C'est même pas qu'une question. Moi, ce qui m'énervait, c'est aussi la communauté qui s'amusait à partager en masse tout ce qui existait sur le jeu, du coup, dès qu'il y avait des infos. Mais du coup, t'es au courant de tous les mondes qu'il y a dans le jeu,
Alors que pour une fois, c'est un jeu où il y a réellement des nouveaux mondes Disney qui ont jamais été mis dans la série avant. Pour une fois que c'est le cas, les mecs, gardez-vous au moins la surprise, quoi. Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that stone? You know what, never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of course he is. Of course he is. Oh, he's a fox. Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me. Oh, t'as eu de la chance à Eno. Parce que moi je voulais pas les voir. Hein. Et il y avait des bolos qui te disaient, mais viens pas sur les réseaux sociaux. Non mais, c'est complètement débile de dire ça. Je vais arrêter d'aller sur les réseaux sociaux pendant 10 ans parce que le jeu est pas sorti. What the fuck, comment tu fais la voix de Donald? Bah avec ma bouche, mais j'ai beaucoup de mal à articuler, du coup à faire. Enfin, je peux pas dire grand chose en fait. Dès que je vais vouloir commencer à dire des phrases un peu développées, c'est foutu. Vous voyez là déjà ça commence un peu à. C'est Donald qui s'étouffe quoi. Oh là là, c'est les musiques de Kingdom Hearts dans le 2. Très cool en mode Sasuke qui attend. Oh, on verra, Eno. Hein. Tu me vois déjà la faire en live, t'as qu'à faire un headlight, t'auras l'extra à vie. En avant, soin, fondre, brasier. Oh là, le brasier, il a du mal. Hein. Sailing right to where I left. No biggie. Nice work, boys. D'ailleurs, je me demande s'il faudrait pas que j'essaie de voir tous les Disney qu'il y a dans le jeu. Parce que, du coup, pour une fois, c'est le premier Kingdom Hearts dans lequel il y a des mondes Walt Disney que je n'ai jamais vu, dont j'ai pas vu les films en fait. Bon, je vais pas vous dire les mondes tant qu'on les a pas vus au cas où vous les auriez pas vus. Enfin, au cas où vous êtes pas au courant des mondes qu'il y a. Mais pour le coup, il y a vraiment des mondes dans le jeu. Je n'ai pas vu les films. Now I gotta put up with you two. Pâté Maléfique, c'est tellement les deux méchants que tu peux plus prendre au sérieux dans la série, tellement. Bah, déjà dans le 2, ils servent à rien. Et à la fin, limite, ils sont gentils, quoi. Bah, je sais pas, moi, je peux plus les prendre au sérieux. We are not here for you. I have my own business to attend to. Ouais, mais sait-on jamais. En fait, moi, j'ai vraiment espoir qu'il y ait un monde que j'aurais pas vu, mais je pense pas. Mais j'ai vraiment espoir qu'il y ait un monde dont je connaisse pas l'univers. En tout cas, si tous les mondes ont vraiment été spoilés dans les trailers, le plus choquant, c'est qu'il y en a vraiment peu dans ce jeu-là. Alors que dans Kingdom Hearts 1, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 8 mondes Disney, je crois, si je dis pas de conneries. C'était pas mal. Je pense qu'il y a un monde qu'on n'a pas vu dans le trailer. Ah bah je verrai ça, bah ne spoilez pas. Quoi? Y'a Gogeta Blue dans Crash? Pourquoi Gogeta Blue? Juste que tout le monde soit spoilé dans le trailer. Franchement, New Neko, les trailers ils en balançaient pas mal sur le jeu. Hein. Y'a peut-être des mondes remis originaux. Ah, j'espère, ça y aura sûrement en Kalish. Y'a moyen ça quand même, ouais. Phew. Et Donald, il a rattrapé Sora et Dingo, mais là Donald, il se ramasse comme une merde. Oh, il est vénère. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. Bah d'ailleurs au final mes mondes préférés de Kingdom Hearts c'est à chaque fois les mondes originaux. Hein. Dans Kingdom Hearts 2 c'est la Cité du Crépuscule, dans le 1 c'est Ville de Traverse. Ah ouais le mec c'est sa ville quoi. Le mec il y a une statue de lui en plein milieu de la ville, normal. Take a guess. Starts with an H. Ah,
I get the picture. Skadazer, on vraiment coupé tout l'opening car je galère à uploader YouTube mardi. Ouais, je verrai. Je me débrouillerai. Mais je pense que Ever, ça passera mieux quand le jeu sera sorti et que ils seront un peu moins tendus sur les spoils. Salut Low White. Oh, attends, je... Ah, ok, c'est bon, on peut faire. J'attends juste qu'on fasse pause et je lis ton message comme il est un peu long. Parce que là, vu qu'il y avait des cinématiques. Ah, ok, c'est bon. Alors, mec, déjà salut, je suis venu sur ton stream ce soir car je t'ai connu des mochettes avec les vidéos de Silent Hill. Oh là, ça date ça. Et Nesfer Warrior Bros. J'ai revu cette vidéo il y a genre une semaine et j'ai voulu te dire merci de m'avoir fait perdre des heures de ma vie quand j'avais genre 11 ans. Ah, bah, pas de problème, hein. Écoute, moi, qu'importe l'âge, je suis toujours prêt à faire perdre des heures de leur vie aux gens du moment que ça ne leur fait pas du mal. Mais c'est pas toi qui m'avais envoyé un message sur Twitter? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message super gentil en privé sur Twitter. Oh, j'avais envie de lui faire un câlin. Quand j'ai lu le message, il mettait un message un peu comme ça aussi où il me disait que. Voilà, il avait passé beaucoup de temps. Mais quand j'ai repris les vidéos pour avec des lives à une époque, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit qu'ils me suivaient à l'époque, qui m'ont suivi durant une partie de leur enfance, et qu'on grandit, voilà, ont connu des jeux grâce à moi. Donc, d'un certain côté, j'étais content. Je me disais, oh, j'en ai aidé certains à découvrir des bons jeux. Même si je regrette certaines vidéos quand même. Les vidéos sur Kingdom Hearts de l'époque, c'était pas mes préférées parce que elles étaient quand même. Enfin, en fait, le problème c'est que je me rendais compte que le jeu n'était peut-être plus fait pour moi ou que j'avais. En fait, je découvrais le jeu d'un autre œil et c'était peut-être pas le bon. Donc du coup ça allait pousser les points de sauvegarde. La vidéo de 2 heures sur Mario Bros 3, putain, c'était une vidéo. Ah oui, avec Misa ça et la conf. Je crois qu'en plus j'en ai cette vidéo, je crois que je l'aimais pas beaucoup. Hein, parce que dedans on se clashait comme jamais et. Faudrait que je la revoie, ça me ferait rien maintenant je pense. Isguia, j'aurais pas connu sans 2 heures, c'est vrai. Bah voilà, vous connaissez des bons jeux maintenant. Alors, des comptoirs de la boutique Mox sont ouverts, bah oui, bon ok ça c'est. Voilà. La tête. Ah, on est encore bloqué par des murs invisibles. Oh là là, hé, les petits effets par contre quand on passe à côté des persos. Genre Sora, ah, ça le fait pas sur Hercule. Voilà, sur Donald Dingo, quand on les frôle, il y a Sora qui est en mode. Oh, oh, genre il esquive en mode. Mais c'est stylé, c'est ultra stylé. Ah non, c'est pas moi, putain, bah y a, on m'envoie de l'amour en ce moment, vous êtes gentil. Réentendre ta voix, c'est juste épique. Il y a une façon de faire de l'entertainment. Bah écoute, bah merci alors. Oh, vous êtes gentil. Je vous mérite pas des fois. Bah si tu veux, il y a le Discord, hein, si tu veux. T'as qu'à faire de la pub, si tu veux, on a un Discord maintenant où j'annonce quand il y a des lives. Oh, j'ai toujours trouvé ça chiant, les boutiques Mog, parce que t'avais l'atelier c'était chiant, putain. Voilà, pour créer Ultima. Oh là là, ça va être relou. Bon, je peux rien faire, de toute façon. Ah bah, je suis chaud. Bah attendez, bah, je vais donner le lien du Discord. Ah, mais j'ai laissé Discord ouvert. Là, je vous partage le lien du Discord. Je vais couper Discord d'ailleurs. Voilà, si jamais vous voulez le rejoindre, on a le Discord. Faut que je le coupe par contre. Même pour moi, je t'ai découvert sur Wild Arms 5. Oh, Wild Arms 5, c'est tellement de bons souvenirs. Mais en plus, le Wild Arms 5, au-delà du fait que le jeu était vraiment bien et que c'était particulièrement sympa de faire ça en let's play, putain, l'histoire du jeu, elle était tellement incroyable. Le jeu avait vraiment un très bon scénario. Maintenant, c'est un de mes jeux préférés scénaristiquement parce que le scénario est vraiment cool. Je me souviens encore de ce walkthrough sur Ratchet & Clank de perso. Ah non, pas celui-là, il était horrible. Par contre, maintenant, on a les trois personnages en même temps dans l'équipe, du coup. Alors, remarque, c'est vrai que le jeu a l'air grand. Les zones sont super grandes. J'espère qu'elles sont pas justement trop grandes, parce que d'un côté, ça peut faire vide aussi. Quoique, remarque, les décors sont tellement beaux. Bon, on est d'accord que la voix anglaise d'Hercule, elle est horrible. Hein. Oh yeah! Oh yeah! Jojo Champy, ça me dit un truc. Après, c'est. Ouais, je sais pas. Peut-être, faudrait que je vois des vidéos, mais. Bah, tu me dis que ça a disparu, donc je pense pas que je pourrais les voir. Mais ça me dit un truc vite fait. How'd you get your strength back when you jumped in and saved Meg? Avatar One Piece, oh, ok, je me souviens de qui c'est moi, Else. Il avait Sanji, voilà, c'est ça. Ok, je me rappelle. Oui, toi, t'étais très fan de ses vidéos, Else. Moi, je connaissais, mais j'étais pas ultra fan. Mais oui, je vois qui c'est. Oh, man. What's wrong? All my strength is gone from me, too. That's why I need you. Putain, depuis que je suis au courant pour l'histoire de la synchro labiale, j'arrête pas de regarder sa bouche quand il parle. I'm sorry, Sora. Hercule qui a regardé les vidéos de Timon Shape, bien vu, donc bien vu. Il doit y avoir de ça. Trop de souvenirs, oh là là. C'est l'or dans la tenue d'Hercule.
Je sais pas. Ça t'intéresse tant que ça, Nuneco? Tout de suite, Nuneco, dès qu'il y avait de l'argent, ça y est. Ah, des nouveaux sans cœur. Si vous inclinez le stick en plein saut et que vous appuyez sur carré. Ah, d'accord. Ah, c'est une sorte de fluidité du pauvre, quoi. Ah, donc il y a les attaques fluidité dans ce jeu. Les attaques fluidité, ça c'était l'ajout de Kingdom Hearts 3D, c'était ultra cool. Tellement jouissif ce. Voilà. Les attaques fluidité. Mais c'était peut-être un peu trop. Voilà, même un peu trop pour le gameplay. Mais le problème, vous voyez, c'est que là pour le moment ça me fait le même effet que dans Kingdom Hearts 2 en fait. C'est que j'ai pas le sentiment de contrôler le personnage. J'ai l'impression juste de spammer croix quoi. Les gens s'en. Moi ce que je trouve incroyable, c'est que les gens s'en sont toujours plein dans FF15, mais ils ont jamais rien dit pour Cash. Alors que. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais le mode critique, oui, mais le mode critique, tout le monde fait pas le jeu comme ça de base. Mais dis donc. Ultra cool, mais vachement pété. Ah, ça. Ah, merci Kumiko pour le follow. Moi ce que je kiffais de les cache, c'était faire des attaques en sautant. Parce que j'adorais les animations en l'air. Hercule a acheté une vidéo perso à 36€. Ah ça. Herculade. Que tous les enfants à l'époque s'amusaient à dire enculade. Alors que c'était pas drôle. Ah non, c'était pas drôle les gars. Non, not with the heartless involved. We're just lucky our friend showed up. Je suis coaché par le niveau de détail. C'est vrai que le jeu est vraiment beau. Surtout que dites-vous que moi, j'ai pas de super télé, donc le rendu est pas top. Mais quand je regarde sur l'écran de mon Dazzle, enfin de nos poches, le rendu est vraiment beau quoi. We'll search the city and make sure everyone manages to get clear of the fire. Ce qu'on peut pas lui retirer à Nomura, c'est qu'il fait du très bon travail. Mais le problème, c'est que il est trop surestimé chez Square Enix. Parce que du coup, ils lui mettent trop de trucs sur les bras, et du coup, après, il est ralenti partout, et puis finalement, il abandonne des projets, et ça fout la merde. Alors, oui, quand on le met sur un projet et qu'il le peaufine bien, le rendu est cool, mais faut pas le mettre sur deux projets à la fois, quoi, les gars, parce que sinon, c'est fini. Hein. De toute façon, t'as la passion pour sauter le jeu, c'est vrai que j'adore ça. You gotta keep her safe. Dernière question par rapport au temps d'avant, mais sur Dailymotion il n'y a plus de commentaires. Oui, Dailymotion en fait, vu que de toute façon le côté communauté était complètement mort, ils se sont dit que ça ferait de la place sur les serveurs s'ils supprimaient tous les commentaires et qu'ils enlevaient la possibilité d'en mettre. Donc maintenant on peut plus. Bah, c'est pour ça que Dailymotion c'est maintenant ça sert. En fait, tout le monde croit que c'est mort, mais en vrai ça marche encore grâce aux chaînes de télé et à toutes les chaînes étrangères qui l'utilisent en fait, ils prennent les vidéos pour les remettre sur d'autres sites. Mais personne ne va sur Dailymotion pour le côté communautaire maintenant, c'est mort à ce niveau-là. Pourquoi ils sont allés dans le monde d'Hercule? Parce que Sora n'a pas réussi son test de maître de la Keyblade et du coup il veut apprendre comment devenir un héros. Let's go. Wait. Running's too slow. Running's too slow. What's the other choice? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il veut faire quoi là? Il va acheter la statue? Mais il va la tuer? Mais la statue va écraser la fille au contact? Je vais être content du Yokavage 4, on peut enfin sauter. Ah, oh, peut-être que ça me fera acheter le jeu alors. Mais il va la tuer! Attendez, mais cette scène elle est incroyable. Je sais pas ce qu'on est en train de vivre là. Mais pourquoi? C'était vraiment nécessaire ça? Ah ouais d'accord, en plus ça nous coupe complètement le passage où on la sauve. Elle fait tellement tâche. What? Je vous avoue que cette scène elle était bizarre, hein. J'ai pas tout compris là. Ils se sont tapés un délire chelou. Maleficent.
I don't know about his sidekicks, but can Non mais les gars, là, vous inquiétez pas, moi aussi la scène là, je... Ouais. I say we finish him off while we still can. Donc j'ai du mal à assimiler ce qu'ils ont voulu faire. Je suis dubitatif. We have a far more pressing matter to attend to. Ah voilà, la boîte noire dont il parle, sachez que c'est un des éléments de Kingdom Hearts Key, le jeu mobile, la backstory. Et ça, vous voyez, je sais pas. Donc apparemment, il y a une boîte noire qui aurait la clé de beaucoup de révélations des mystères de Kingdom Hearts. Bullshit. Ah mais Mooney, je suis complètement d'accord, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, ce qui m'énerve dans ce KH3 pour le moment, c'est que quand le jeu commence, t'as vraiment l'impression de reprendre le jeu en plein milieu de là où il était laissé. Alors que Kingdom Hearts 1 et 2, ça te mettait le temps de te placer l'univers et les personnages. Dans KH1, c'était avec l'île de la destinée avec Sora. Dans le 2, c'est parce que tu vivais les dernières vacances du Roxas. Et Roxas, c'est mon perso préféré, hein, j'adore ce perso, je trouvais ça super touchant ce passage dans le 2. Je suis une petite tapette un petit peu. Et là, vraiment, ça commence KH en mode « Allez, on a pas de temps à perdre, les gars !» Oh, calme-toi. Don't say that. Don't say that. Oh, said what he said. Okay. L'autre il se bat avec une clé. Oui, mais tu connais pas Kingdom Hearts, Low White. Par contre, j'y vais, j'ai cours demain. Bah salut, merci de passer, Ever. La boîte noire ne doit pas être ouverte. C'est la boîte de Pandore en gros quoi.